en tout trésor. De tout puissant, ma gemme. Antilope Kabamba, et les gars. Allez-y, le pauvre. Antilope Kabamba. Je peux, hein. Et donc, mesdames et messieurs, là, l'entrée du catcheur Antilope Kabamba avec le drapeau congolais autour de ses reins. Il va s'avancer vers ses stades pour déjà vers ce ring érigé au cœur de ces magnifiques stades Kachala. Pose là, il va devoir se mesurer à un catcheur qui est déjà là dans le ring. Antilope va affronter Rocky. Rocky qui est un catcheur natif d'ici en Bujimaï, ils vont s'affronter et s'essayer. Ça va être presque dans les combats d'intro de cette soirée avant que l'on puisse amorcer avec les grands. Alors, grand combat de cette soirée. Antilope Kabamba contre Rocky. Rocky qui vieillit peu à peu, qui n'a malheureusement pas réussi à remporter les grands titres durant toute sa carrière. Il vieillit, c'est très clair. Rocky qui a une tête tout rouge comme le lézard, il faut le souligner. Et puis Antilope Kabamba qui, on dirait, ressemble au joueur congolais Mputu Mabi, trésor de sa belle période. Et là, ils vont s'essayer. J'espère qu'il ne va pas combattre avec le drapeau congolais autour de ses reins. Il va devoir s'en débarrasser. Je ne sais pas ce que ça signifie pour lui, mais c'est l'emblème de la République démocratique du Congo. Je n'ose pas croire que pour lui, ça veut dire qu'il porte l'ensemble des pouvoirs congolais, puisque Dzingo est encore vivant et son fils n'a pas encore dit son dernier mot. Ces incantations ici dans ces stades de Kachala Bonzola avant de se mesurer à Rocky qui est juste en face de lui. Restez avec nous mesdames et messieurs pour suivre cet événement en exclusivité et surtout en totalité, en parfaite connexion ici en direct du stade Kachala Bonzola. J'espère que vous avez la belle vue de ces combats. Antilope Kabamba en cinglé blanc contre Rocky qui est habillé en noir et rose. Première, cette descente de poids sur la jambe d'Antilope, de Rocky, j'y arrive. Et là, c'est Antilope qui enchaîne avec des coups de descente, de coups de pied, descente, de coups de bras, deuxième coup de bras. Attention, projection dans le corde. Chassé, mesdames et messieurs, parfaitement réussi et exécuté par le catcheur Antilope Kabamba qui est physiquement très bien, très bien entraîné. Sa gymnastique est en train d'émerveiller le public ici au stade Kachala Bonzola. Rocky qui va s'essayer de s'accrocher à cette jambe, coup de coude dans le pied. Descente du coup de pied droit sur le genou d'Antilope, exécuté par Rocky. Il va tenter, qu'est-ce qu'il va tenter de faire? C'est une prise. Qu'est-ce qu'il veut exécuter? Et donc, attention, sans chasser, qui n'ont absolument rien fait sur Antilope. Et là, c'est une question de poids. Un poids léger contre un poids suffisamment entraîné. Et Samara Olo qui fait son entrée dans ce stade. Olo Samara qui vient renforcer son élève. Attention, voilà, c'est du... Attention, le compte 1, 2, c'est 3. Victoire, victoire d'Antilope Kabamba sur Rocky. Et donc, devant lui, Samaolo, l'homme de Samba Ponchi, qui va demander au public ce qu'il veut. L'homme de Boutoukaré, Samaraolo, qui est tout feu, tout flamme. Il va en finir avec Antilope Kabamba, ici, au stade Kachala Bonzola. Et mesdames et messieurs, les choses sérieuses viennent de commencer ici au stade Kachala Bonzola. Rocky contre Samara Olo, il a morti. Samara qui a morti, deuxième coup. Wallo, Wallo, yo. On va les projeter dans les cordes. Attention, c'est une prise totalement ratée. Et voilà, Olo qui est à terre. Attention, Arco.
sur le poids face à Antilope Kabamba qui est suffisamment battu, suffisamment construit et suffisamment entraîné. Oui, c'était fort, c'était fort, c'était fort, c'était fort. Antilope et Kabamba a bien pu faire l'affaire dans ce stade. Cachala Bozola, vous vous en doutez, mesdames et messieurs, c'est pas un rêve. Là, on va faire revenir Samara Olo par son entraîneur. Il n'en rêvait pas. C'est un RKO qui lui a réellement cassé le cou. Ça lui a cassé le cou, Samara Olo.